Donc, en fait, d'abord, cette préparation des JMJ a été un événement absolument extraordinaire, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ceux qui ont été extraordinaires, ce sont les jeunes. Hein. Alors, le fait marquant, évidemment, ce qui a marqué à la télévision, c'est plus le cas rapide. En fait, moi, ce qui m'a le plus marqué donc pour ces JMJ de Pékin, c'est la participation de tous. Alors, quand je dis tous, c'est tous les jeunes, mais c'est aussi toute la population de Pékin. Hein. Parce que dès qu'on s'est dit JMJ, on leur a dit c'est Journée mondiale de la jeunesse. Donc si c'est mondial, c'est pour tout le monde. Et donc on a voulu à tout prix que ce soit une grande implication, une grande manifestation, une grande joie de Pékin. Donc la première chose, c'est qu'on a fait tout le tour des maires, des communes, hein, et on a vraiment été très bien accueillis, et par la municipalité de commune et par de Pékin et par les maires des autres communes, qui tout de suite nous ont dit c'est vrai, c'est important, il y a des problèmes des jeunes, il faut qu'on y participe. Et donc, ils nous ont non seulement donné les locaux, le stade, etc., mais ils ont participé à la réflexion. Et au niveau des jeunes, ils nous ont dit, mais dans chaque commune, on a une commission de la jeunesse, on va demander à nos jeunes de vous rencontrer, de travailler avec vous. Donc pour moi, le fait marquant de Pékin, ça n'a pas été ce qui s'est passé au parc, bien que ce soit essentiel, mais c'est tout le travail de préparation et c'est toutes les réunions qu'on a eues avec tous les jeunes, pas avec les jeunes chrétiens. On a dit, il faut qu'on se rencontre tous les jeunes, et on a demandé aux jeunes, mais quels sont vos problèmes et quelles sont vos solutions? Parce que notre idée, c'est que trop souvent, on décide à la place des jeunes. C'est dans les ministères où c'est les grands, les adultes qui disent aux jeunes, voilà ce que vous devez faire. Mais on ne donne pas la parole aux jeunes et on ne les écoute pas. Donc ce qui pour moi a été un fait marquant vraiment de ces JMJ, c'était la parole prise par les jeunes, ce qu'ils nous ont dit par rapport à la violence, par rapport au chômage et par rapport à la drogue. Ce sont les trois points qu'ils avaient retenus. Et ce qu'ils ont dit, parce qu'on était rencontrés aussi les différents ministres, hein, non seulement de la jeunesse, mais aussi un certain nombre d'autres ministres, et on leur a apporté les réactions des jeunes, leurs propositions. Pas seulement des jeunes chrétiens, mais de tous les jeunes. Donc ça, c'était vraiment une chose importante. Alors effectivement, après, on leur a dit, on ne leur a même pas dit, d'ailleurs on les a surpris, c'est quand ils sont arrivés avec leur motard, leur grosse voiture, bon ils se sont garés dans la cour de Pékin, on a dit maintenant on va au stade, hein, et on a dit mais nous à Pékin, hein, on ne se déplace pas en voiture, on ne se déplace pas en taxi, on se déplace en car rapide. Alors si vous voulez connaître Pékin, voilà le car rapide, il est là, il était à la porte, et on les a fait monter dans le car rapide. Bon, en fait, le ministre de la Jeunesse nous a dribblé, il en a profité pour faire sa publicité, montrer qu'il était près des jeunes, etc. Bon, donc ça a été l'un fait marquant. Mais le deuxième fait marquant pour moi, c'est que depuis le début aussi, on travaillait avec les maires, mais on a travaillé aussi avec l'Association des humains. Hein, en disant que c'est les JMJ, c'est pour tous les jeunes, mais c'est aussi une célébration religieuse. Et quand on dit religieux, c'est pour toutes les religions. Et donc, comme on travaillait déjà avec l'association des maires, donc on a eu plusieurs rencontres avec eux. Et au moment de la célébration, avant de commencer donc la messe, au début de la messe, donc l'imam Ratib de Pékin et l'imam responsable de la coordination des imams de toute la ville de Pékin qui va jusqu'à Kermassar, etc. Ils sont montés à l'hôtel, à l'invitation de notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et c'est ensemble qu'ils ont lâché la colombe de la paix. Et pour moi, ça a vraiment été un geste très fort, que des chefs religieux, ensemble, lancent la colombe de la paix, hein, devant tous les jeunes, et puis devant les autorités religieuses, mais aussi municipales qui étaient là, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai que je garde un souvenir absolument ébloui du travail avec les jeunes et puis de cette célébration de Pékin, quoi. Ouais. Oui, c'est Jésus-Christ.
Comme je disais tout à l'heure, Jésus-Christ, c'est l'ami des petits et des pauvres. Je ne peux pas être ami de Jésus-Christ si je ne suis pas ami des pauvres. Et Jésus-Christ, il ne vient pas d'abord pour enseigner, il vient d'abord pour accueillir et pour écouter. Donc je crois que c'est ça qui est vraiment important. Alors là, je dois dire, mais je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, il y a eu Vatican II, avec tout ce que le pape François nous demande actuellement. Il nous demande de lutter contre la civilisation du déchet. Donc ne pas prendre les gens comme des déchets, ne pas les prendre comme des ordures. Des gens, s'ils ne sont pas rentables, parce qu'il n'a pas été à l'école, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est chômeur, parce qu'il vient de la brousse et il vient des villages, que donc il ne vaut rien, on n'a pas besoin de lui. François, il nous dit, mais il faut lutter contre la civilisation du déchet. Tout homme et enfant de Dieu, il a une dignité. Il nous dit, allez à la périphérie, donc allez vers ceux qui sont loin. Il nous dit qu'il faut que l'Église soit un hôpital de campagne, c'est-à-dire pas un grand hôpital sur le plateau, mais comme un hôpital militaire, quand, là où il y a la guerre, ils sont là pour soigner d'abord les plus grands blessés. François, il nous parle de ça sans arrêt. Il nous dit qu'il faut construire des ponts et avec tout le monde et pas des murs. Il dit « je préfère une église qui est sale, qui est fatiguée et qui est blessée parce qu'elle a été avec les gens plutôt qu'une église qui est belle, qui est triomphante, mais qui ne vit pas avec les gens ». Donc je pense que c'est ce que Jésus-Christ nous demande. C'est aussi ce que dans ma congrégation missionnaire, donc la congrégation du Saint-Esprit, on est en train de vivre, parce qu'à cause du Vatican II, et grâce au Vatican II, on s'est dit, mais comment être missionnaire aujourd'hui ? Être missionnaire aujourd'hui, ça ne peut plus se limiter à mettre en place des paroisses. De toute façon, pour nous ici au Sénégal, il y a suffisamment de clergés diocésains, il y a suffisamment de paroisses. Donc notre responsabilité maintenant, c'est de travailler avec les plus pauvres, avec ceux qui sont loin, avec les gens des autres religions, ceux qui ont vraiment le plus besoin. Donc ça, et c'est ce que le pape nous demande, donc ça me semble normal, quoi. Alors, oui, le vélo... Et puis le t-shirt, ben d'abord, parce que je me sens plus à l'aise en t-shirt qu'avec un col ou avec une chemise fermée. Bon, j'ai jamais porté de cravate de ma vie. J'ai pas l'intention de commencer à 80 ans. C'est trop tard. Bon, le vélo, mais d'abord, la première chose, c'est que c'est excellent pour la santé. Et c'est ça qui me garde jeune. Mais derrière, bon, j'ai conduit des voitures. Quand j'étais dans la forêt de Guinée, je conduisais des Toyota 4x4 pour apporter la nourriture aux réfugiés et puis le matériel. Quand tous les ONG s'étaient enfuis et s'étaient partis à la capitale, parce que les rebelles étaient là. Bon, mais en ville, je dis, on n'a pas besoin de voitures. Il y a tous les cars, il y a les Tata, il y a les Dianganda, il y a tout ce qu'il faut. Et puis sinon, pour moi, le vélo, ça suffit largement. On va plus vite en vélo qu'en voiture, avec tous les bouchons. Donc je me déplace beaucoup, beaucoup plus vite. Et moi, ce qui me scandalise, c'est de voir des gens qui voyagent tout seuls dans leur voiture. Moi, je pense que les policiers, ils devraient arrêter les gens qui sont seuls dans leur voiture. S'ils se déplacent, au moins qu'ils donnent la place aux autres. Dans tous les pays, même les plus développés, il y a ce qu'on appelle le covoiturage. Quelqu'un qui va au travail, il voit quels sont ceux qui viennent du même quartier, qui vont travailler dans le même quartier, et on voyage ensemble. Parce que sinon, regardez tout ce qui se passe, non seulement les bouchons, mais la pollution. On est en train de casser notre terre. Et avec la consommation de pétrole, qui non seulement pollue l'air, mais qui réchauffe la terre, qui attaque la couche d'ozone, etc. Donc, on parle de l'écologie, mais là, il faut quand même être sérieux. Le vélo, grâce à Dieu, ça ne pollue pas. Donc, je crois qu'il y a, bon, il y a un peu tout ça, quoi. Il y a un peu tous ces contextes-là. Monseigneur Lefebvre, on l'a très bien connu lorsque j'étais enfant. Il est venu plusieurs fois manger à la maison. C'est pas à moi de porter un jugement, mais ce que j'ai retenu, c'est que c'était quelqu'un de très affable, très gentil dans la façon de parler, mais en même temps de très autoritaire.
que d'autre part, c'est vraiment quelqu'un qui a relevé son diocèse. C'est lui qui a lancé l'Action catholique, la GEC, la JOC. Mais quand la JOC a demandé l'indépendance, il a supprimé la JOC. Donc, c'est quelqu'un qui était un peu complexe et qui était très marqué par son milieu familial d'origine, quoi. Ça a été après notre supérieur, et là on n'a pas pu être d'accord avec lui parce que au moment du concile, il y a eu des blocages et il s'est vraiment appuyé sur la tradition, sur les choses qu'on faisait avant, alors que nous, mon congrégation du Saint-Esprit, on sentait que le Saint-Esprit nous appelait à autre chose, quoi. Donc je le respecte, j'apprécie beaucoup le travail qu'il a fait, même si je ne suis pas d'accord avec ses idées. Et même si, comme tout homme, il a des qualités et des défauts. Ça, c'est le problème de tout homme, de toute façon, quoi. Bon, après, Monseigneur Tiandoum, je l'ai connu comme jeune prêtre. Quand j'étais encore élève à Van Bollen, donc à la Mingay, il venait d'être nommé jeune vicaire à la cathédrale. C'est là qu'ensemble, on a essayé de lancer la GEC au lycée la Mingay. Donc... on avait bien commencé ensemble, mais après, je suis parti au noviciat, ensuite au Congo, etc. Donc, on s'est retrouvés lorsque j'étais à Saint-Louis. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble. En fait, comme j'étais à Saint-Louis, je travaillais plus avec Monseigneur Sagna, pas seulement parce qu'il était spiritain comme moi, mais je crois qu'on avait des atomes crochus. Hein. Et puis, après ça... le cardinal, c'est un camarade de classe, on se tutoie, il n'y a pas de problème. Chacun se respectant, chacun sa personnalité, sa façon de faire. Il trouve quelquefois que je ne me comporte pas d'une façon suffisamment ecclésiastique, mais il m'a toujours accepté et soutenu. Puis Monseigneur Benjamin, je l'ai connu aussi quand il était à Dakar au niveau pastoral, et j'ai vraiment... aucun problème, je suis vraiment très heureux de travailler avec lui dans son diocèse, qui est mon diocèse d'origine. Donc, grâce à Dieu, ça se passe bien. Même si dans d'autres pays, j'ai eu parfois quelques problèmes avec d'autres évêques, on n'était pas toujours d'accord, quoi. Mais ça, c'est la vie, hein. Le moins de choses possible. Je voudrais que vraiment qu'on m'oublie, hein, et qu'on pense à Jésus-Christ. Hein, qu'on se dise vraiment, ce prêtre-là, il a essayé de continuer ce que Jésus-Christ faisait. Mais qu'on regarde Jésus-Christ comme on ne regarde pas. Hein, vraiment. J'espère mourir au Sénégal. Hein, ce que je voudrais, c'est... en même temps, donner mon corps à la science pour que mon corps puisse un peu servir un peu plus tard. Il faut que les chirurgiens y se forment. Certains de mes organes peuvent servir, c'est ça qui compte. Hein, pour moi, c'est ça qui sera important, quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ça, donc ça sera peut-être mon dernier combat. Mais j'aurais plus le droit à la parole parce que je ne pourrais plus parler à ce moment-là. Ce qu'il a dit dans l'Évangile, « Viens, bon et fidèle serviteur, puisque tu as été fidèle dans les petites choses, entre dans la joie de ton maître. Hein? » Mais ce qui est important, c'est plus la joie du maître. Hein, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, tout ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, c'est ça qui me touche. Hein, vraiment, j'ai eu la chance, de réussir ma vie... parce que j'étais toujours entouré avec des gens qui m'aiment, qui me soutiennent, et puis c'est ça, quoi. Donc, merci Seigneur. Hein. Emmanuel, Dieu est avec nous maintenant. J'espère que je serai avec lui de l'autre côté de la barrière, quoi. Je ne sais pas quoi dire, hein, parce que je préfère être avec les gens, vivre ensemble, et c'est ensemble qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les problèmes, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande. Donc un mot à chacun, que tu sois jeune, adulte, laïque ou prêtre ou religieux, marié ou non, écoute le Saint-Esprit dans ton cœur.
Écoute le Saint-Esprit dans ton cœur. Essaye de vivre comme Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas facile, mais la vie de Jésus-Christ n'a pas été facile. Mais tu seras heureux. Saint Paul disait, il y a plus de joie à donner qu'à prendre. Alors donnons-nous le plus possible et nous serons heureux. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir répondu suffisamment au Seigneur, d'être passé à côté de personnes qui avaient vraiment besoin de soutien, de ne pas les avoir vues. Et puis aussi, parfois, d'être un peu trop négatif, de voir plus les défauts, les mauvaises choses des gens que leurs qualités, de ne pas être suffisamment admiratif. Bon, j'essaye de réagir, mais ce n'est pas toujours facile, quoi.